YouTube. Bonjour, on est ensemble pour une nouvelle vidéo, nouvelle saison sur la chaîne, nouveau studio. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup plus de place et je suis beaucoup plus à l'aise pour faire des vidéos. Si tu ne me connais pas, je m'appelle James, je suis photographe, réalisateur, monteur, cadreur professionnel. Et sur ma chaîne, je partage mon expérience, je fais des tests, des tutos sur le monde de la vidéo, de la photo. Ici, on fait de l'image et on en parle. Alors aujourd'hui, on va parler d'un monstre, le dernier stabilisateur de la marque Zhiyun, le Crane 3S. Oui, il est là, il est juste là. Donc prenez un truc à boire, installez-vous, mettez-vous bien. C'est parti. Alors Zhiyun, je sais même pas comment ça se prononce. Moi je dis Zhiyun. Zhiyun viennent de sortir un nouveau stabilisateur et j'ai l'immense privilège de l'avoir aujourd'hui dans le studio. Pour ceux qui connaissent un peu la marque, c'est le grand frère du Crane 3 Lab. En fait, c'est le stabilisateur le plus gros qu'ils ont actuellement dans la gamme. C'est un véritable tank, c'est un porte-avions. C'est le stabilisateur qui est capable de porter n'importe quoi sur le marché puisqu'il a été pensé pour porter les plus grosses caméras qui existent. Mais ça veut dire quoi les plus grosses caméras qui existent? Ce stabilisateur est capable d'assurer une charge, un payload d'environ 6,5 kg. C'est énorme. Je vous rappelle que les stabilisateurs, on va dire, qui sont les plus courants sur le marché, ils commencent à 2 kg et puis vont jusqu'à 3,5 kg. 6,5 kg, c'est vraiment, vraiment énorme. Le modèle que vous avez vu dans les quelques images d'introduction a été gentiment prêté par le Café du Geek. Merci à eux. Mais il m'a été mis à disposition juste avant le confinement. Donc voilà, maintenant je suis un peu coincé avec et ça va être compliqué de faire des images avec surtout. Mais ne perdons pas de temps. Allons voir dans les détails qu'est-ce qu'il y a de neuf sur ce nouveau produit et surtout pourquoi il est aussi impressionnant. Alors avant toute chose, le produit que j'ai eu est un produit de pré-production, donc il n'y a absolument aucun packaging. Je l'ai eu comme ça en bulk dans une boîte avec plein de protections, plein de papier bulle, tous les accessoires qu'il faut pour qu'il fonctionne, mais je n'ai pas de notice, je ne sais pas comment il fonctionne, je ne sais pas ses caractéristiques, j'ai tout un peu découvert moi-même. Donc si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Alors pour la petite histoire, mon premier stabilisateur c'était un Zhiyun, c'était pas un DJI, c'était un Zhiyun. J'ai acheté le Crane 2 il y a environ 2 ans quand c'était le stabilisateur, le gimbal, qui était celui qu'il fallait avoir en fait avec les caméras, les mirrorless, les DSLR. C'était vraiment un peu la révolution, un peu comme quand le 5D Mark II est sorti en 2009, qui a été un game changer dans les appareils photo numériques. Bah là, voilà, ce stabilisateur, le Crane 2, ça a été le stabilisateur que tout le monde s'est approprié pour pouvoir faire des mouvements qui normalement étaient réservés au cinéma avec des panoramiques, des rotations hyper bien contrôlées. Maintenant, ce genre de choses, vous pouvez les faire tout seul avec juste un stabilisateur et un appareil photo ou une caméra. Moi, j'ai utilisé mon Crane 2 pendant un peu plus d'un an et j'en étais très satisfait. Il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui sont faites avec le Crane 2. Après, j'ai changé, j'ai choisi de prendre un DJI Ronin S après avoir testé un Ronin M sur une prestation, puis un Ronin SC sur une autre prestation, et je trouvais que l'environnement DJI était vraiment cool. Donc j'ai changé. Et aujourd'hui, je reviens sur la marque Zhiyun pour voir ce qu'ils ont dans le ventre, parce qu'entre temps, il y a eu beaucoup de produits Webill, Webill Lab, Crane 3, et je découvre avec nous ce que c'est Zhiyun en 2020. Et la première chose qui frappe en fait quand on vient du Crane 2, c'est la qualité de construction. En fait, les matériaux sont beaucoup plus nobles, on va dire. Les ajustements, les tolérances sont vraiment parfaites. Moi, je dirais qu'on n'a plus du tout la même gamme de produits. Entre le Crane 2 et le Crane 3S, il y a vraiment un gap. Il y a vraiment quelque chose qui a été fait, un gros effort de qualité. Qu'on a le produit en main, c'est du solide, quoi. Tous les matériaux sont doux au toucher, c'est vraiment, vraiment très agréable. Il n'y a pas de jeu, tout est ajusté vraiment au cordeau. À froid, le seul bémol que je pouvais mettre comme ça, direct, c'est les batteries. Le Crane 2 utilisait des grosses piles à haute capacité, 3, qui étaient rangées dans la poignée. Et là, elles ne sont plus dans la poignée, mais elles sont dans un compartiment qui est fait exprès. Et c'est toujours des batteries qu'on retire, voilà, c'est des piles. Bon, j'ai jamais été fan de ces piles-là, de base, les piles, j'aime pas trop. J'aurais préféré une batterie. Là, les piles, on les insère dans un slot, il y a une petite languette, vous savez, comme dans les jouets, quand il y a beaucoup de piles, il y a une petite languette en tissu. Donc là, il y a toutes les batteries qui sont alignées. Là on les enfonce et on met cette languette avant et puis on tire sur la languette pour retirer les piles. Donc quand on n'a pas le temps, on tire sur la languette, il y a tout qui tombe par terre. Pas fan, j'aurais préféré une batterie, vraiment. Alors je sais que normalement le 3S est fourni avec une valisette grise que je n'ai pas. Donc une valise qui est réalisée dans une sorte de polystyrène gris un peu plastifié et qui va venir servir de valise de transport anti-choc pour le stabilisateur et tout le matériel qui est livré avec. Donc déjà pour le transporter, qu'on n'a pas la valise, on a un problème, et en général on a toujours le même problème avec tous les stabilisateurs, ce sont les bras. En fait, les bras vont venir se balader dans tous les sens, ils vont tourner, quand il n'y a pas de stabilisation active, les moteurs sont coupés, les bras sont libres, ça bouge dans tous les sens, ça s'entrechoque, problème. Pour apporter une solution à ce problème-là, ils ont inclus un nouveau système, un système qui permet de verrouiller les bras, chaque bras, chaque moteur, à 3 positions. Donc il y a une position libre, il y a une position semi-verrouillée et il y a une position verrouillée. Quand on met le bras dans une position libre, le bras tourne, il est complètement libre. Quand on le met en position semi-verrouillée, le bras va se verrouiller dans son axe de verrouillage. Mais en attendant, il sera libre.
Et ensuite, on peut verrouiller le bras pour qu'il n'y ait absolument plus aucun mouvement, aucune vibration, aucun effet de ce qu'on appelle wobble, de tremblement. Je vous le montre, ce système de double verrouillage. Donc là, il est en position libre. Là, je vais le mettre en position semi-verrouillée. Et là, on le verrouille définitivement. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, on peut le choper par tous les bras. Il n'y a rien qui bouge. Quand tout le système est entièrement verrouillé pour de bon, vraiment, tout est solide. Tout l'ensemble ne fait qu'un et il n'y a pas de mouvement. Donc, c'est très pratique parce que vous pouvez porter comme ceci. Il n'y a rien qui bouge. Comme vous pouvez le voir, le setup là, il est hyper lourd et il n'y a rien qui bouge. Je peux le porter dans tous les sens. Donc ce système de verrouillage est vraiment vraiment très pratique entre les scènes. Bon, vous avez vu le Crane 3S, il est vraiment costaud et massif. Et donc c'est quelque chose d'assez énorme, surtout qu'on a tout qui est posé dessus. Mais qu'on a juste le stabilisateur sans appareil photo dessus, il reste énorme. Donc ils ont prévu de pouvoir enlever certains éléments, donc il y a pas mal de choses qui sont amovibles. Le mini trépied, on peut l'enlever, on peut rajouter une poignée pour faire une poignée secondaire. On peut retirer la poignée principale également. Et ce qui fait la plus grande particularité de ce stabilisateur, c'est sa capacité de charge. Donc a priori on peut monter jusqu'à 6,5 kg, ce qui est vraiment énorme. Donc vous pouvez mettre une caméra RED, ARRI, une FS7 de Sony, vous pouvez mettre vraiment les caméras de cinéma dessus, avec tout ce qui va avec, le moniteur, les batteries supplémentaires, les enregistreurs audio. C'est vraiment vraiment impressionnant. Comme on est en confinement et que moi j'ai pas accès à un loueur de caméra ici et que mon loueur habituel n'est pas dans le coin, j'ai mis tout ce que j'avais sous la main. Donc j'ai mis mon Sony A7 III dans une cage, monté avec un 70-200 f/2.8 dessus. J'ai mis un enregistreur audio H1 sur le côté, un wireless go sur l'autre côté. J'ai mis un écran de retour énorme, 7 pouces de Neuer au-dessus. Et comme vous pouvez le voir, en fait, tout est bien installé, tout est bien maintenu. Et le stabilisateur gère ça à merveille. Alors le stabilisateur sur la balance, il fait à peu près 3 kg et mon setup, il fait un peu plus de 3 kg aussi. Donc moi, je suis déjà à 6 kg et quelques. Et donc, il reste encore de la marge. Et comme vous avez pu le calculer, on peut aller jusqu'à 10 kg en fait en charge complète. C'est pas un stabilisateur pour les fragiles, hein. C'est un stabilisateur pour les mecs qui ont des bras, un dos, des abdos. Quand t'as 10 kilos sur les deux mains pendant tout un tournage, pendant une journée, faut y aller, hein. 10 kilos, j'imagine même pas quoi. Là, c'est déjà vachement lourd. Je suis à 6 kg et quelques, et c'est lourd. Hein. Moi, j'ai pas l'habitude de porter des caméras aussi lourdes pour filmer. Ou alors, elles sont stabilisées par mon épaule. Mais comme ça, à bras levés. Alors comme j'ai pas de caméra de cinéma, pour simuler l'encombrement d'une caméra de cinéma un peu plus longue qu'un mirrorless, j'ai utilisé les tubes fournis d'allongement de la platine qui permet de fixer l'appareil photo. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur une base qui est deux fois plus longue que la taille initiale. Il y a un Y qui permet de supporter les objectifs les plus longs pour éviter en fait de mettre tout l'ensemble en porte-à-faux. Donc ça se visse plutôt bien, c'est vraiment bien fait. Les tolérances, elles sont vraiment parfaites, c'est vraiment agréable à utiliser comme produit et à monter. Et pour les caméras vraiment les plus grosses du marché, ils ont créé un système d'allongement du bras. Donc ce bras là, que vous voyez, vous pouvez l'allonger de cette longueur environ de 8 cm, ce qui permet d'avoir le moteur plus haut, plus loin, et d'avoir une caméra avec un encombrement vraiment, vraiment, vraiment plus gros, quoi. Moi, ce qui me change sur le Crane 2 d'origine, c'est l'angle ici. Alors, c'est un angle de 55 degrés qui a été particulièrement réfléchi pour justement ne pas perturber le champ de vision derrière. On voit mieux. On voit l'écran derrière, on peut faire passer les informations sans être gêné mécaniquement par un bras. Et cet angle est non seulement utile pour pouvoir voir ce qu'il y a sur l'écran, mais aussi pour pouvoir en fait utiliser le stabilisateur sans être gêné par le moteur mécanique arrière. Je peux baisser l'ensemble sans toucher avec le moteur. Même avec un moniteur de retour, ça passe. Alors comme sur la plupart des stabilisateurs qu'on trouve aujourd'hui, il y a un joystick qui permet de contrôler l'ensemble. Donc vous pouvez contrôler l'inclinaison de votre stabilisateur, l'angle panoramique. Moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec ce genre de stabilisateur qui a une prise en main, j'appelle ça 6 canons, Gatling Gun, comme dans Terminator 2 à la fin du film quand Schwarzenegger tire sur toutes les voitures de police. Parenthèse sur le montage du bras, c'est un peu long, hein. Il y a 8 vis à visser, donc 4 qui sont déjà vissées, donc à dévisser, et 4 à rajouter en plus, donc c'est un petit peu long. Quand on met en place le bras d'allongement, c'est pas pour changer de caméra en plein milieu d'un set. Voilà, on met ce bras là pour une caméra pour toute la durée du shooting. Moi, pour cette vidéo, j'en ai pas besoin, mais voilà, ça existe. Et c'est une des particularités de ce stabilisateur. Comme vous avez pu le voir, il y a une grosse molette intégrée, donc ça sert à utiliser le follow focus. Donc moi, je n'ai pas le moteur qui permet de faire tourner
focus de l'objectif, mais il y a un follow focus et qui permet d'être contrôlé avec cette molette. Je ne sais pas si quand on est connecté, ça fait comme dans le DJI Ronin S, où c'est connecté d'un point de vue software, et là on peut contrôler avec un câble le focus de l'appareil et de l'objectif. Mais cette molette existe, note d'ailleurs amusante, dans le noir elle est phosphorescente, je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais elle l'est. Donc cette prise en main là, une mitraillette, c'est une prise en main mitraillette à deux mains. Donc on a la main principale sur le joystick avec toutes les commandes, avec tous les menus, etc. Et on a la deuxième main qui vient en dessous sur le trépied qui est refermé, qui devient une poignée. Et on peut rajouter la poignée en dessous qui devient une poignée supplémentaire. Donc on a toujours les deux mains comme ça et on shoot comme ça, les deux bras en avant. Et ce que ça permet de faire par rapport à un stabilisateur où on a les deux mains sur le même axe, sur la même poignée, c'est que ça permet de faire des panoramiques mieux contrôlées. Comme ceci. Donc là, quand vous êtes comme ça, et pour avoir fait beaucoup de panoramique en Presta, quand on a deux bras comme ça, un peu décalés, c'est vachement plus pratique. L'autre avantage de ce type de prise en main, c'est la poignée principale peut devenir une poignée de transport. Comme je vous le disais, on peut le transporter comme ceci. Mais ça permet aussi de faire des mouvements qui ne sont pas possibles normalement avec un stabilisateur où on a les deux mains sur la même poignée. C'est des mouvements où on commence au ras du sol et on finit en élévation vers le ciel. Donc ce genre de mouvement, vous démarrez comme ça et vous finissez comme ça. Et ce genre de mouvement, quand vous essayez de le faire avec un stabilisateur à une poignée, je vous garantis que c'est beaucoup plus compliqué à faire. Vous avez pu voir l'utilité d'avoir le mini trépied posé en dessous, hein. Bah, c'est pour poser le stabilisateur quand on n'en peut plus, parce que c'est vraiment, franchement, c'est vraiment lourd. Moi, c'est pas le genre de produit que je peux utiliser au quotidien en enchaînant sur des prestas longues 5-6 jours. Bah, franchement, après, t'as les bras, ils sont lessivés, quoi. Ou alors pour des scènes très très précises et des moments très précis dans le tournage, mais quand tu fais une presta d'événementiel, je pense pas que tu puisses tenir ça pendant 8 heures. C'est vraiment compliqué. Alors concernant les commandes, je suis pas habitué aux nouveaux produits Zhiyun et je trouve déjà qu'il y a un petit problème, il y a beaucoup trop de boutons. En fait, on peut avoir le mode photo, le mode vidéo, on peut avoir tous les modes, donc le mode point of view, le mode go, c'est-à-dire le mode sport, on peut avoir le mode vortex. Et tout ceci s'active en faisant des clics, double clic. Il y a un peu des boutons sur la main droite, un peu sur la main gauche. C'est pas super ergonomique à l'usage. Il vaut mieux avoir que ce stabilisateur en main et dans sa tête pour être parfaitement en maîtrise. Sinon, je pense qu'on s'en mêle les pinceaux. Il y a pas mal de vidéastes qui ont déjà fait ce retour-là sur le modèle précédent. Mais bon, on pourra pas leur reprocher d'avoir mis tous les modes sous la main. Donc, si il nous vient l'envie de changer les modes pendant le tournage, on a tout sous les pouces ou sous les index. Moi, en général, je fais tout le setup avant de commencer à filmer et je change pas trop. Donc là, on a accès aussi à pas mal de réglages qui sont liés à l'appareil photo directement sur la poignée, mais c'est tellement lourd, franchement je pense pas que ce soit vraiment très pratique d'avoir tout ça en mode tour de contrôle dans un petit screen LCD. Compliqué, quoi. Bon, voilà, après on a tous les modes dont on a besoin pour filmer, hein, donc le mode pan follow, le mode follow, le mode lock qui permet de locker le stabilisateur dans une direction et quoi qu'il se passe il va tout le temps dans cette direction là je pense pas qu'il y ait un mode selfie dans celui-là, j'ai pas testé. Quand on est droitier, on a la main sur la grosse poignée principale et le petit joystick qui permet de caler l'angle vertical ou horizontal, il est sur la main gauche. On est tout le temps en tension, je sais pas si c'est le bon endroit. Bon, je pense qu'ils y ont pensé, qu'ils ont fait pas mal de tests, ils ont pas pu le mettre ailleurs. Moi, je suis habitué à l'avoir sous le pouce droit, en fait. Bon, voilà, on s'habitue à tout, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est un point de détail qui peut en perturber certains. Concernant les accessoires, il est plutôt bien équipé. Il y a des pas de vis sur les deux côtés. On peut rajouter un moniteur de contrôle. On peut rajouter une base où on peut avoir le smartphone pour avoir des informations, par exemple, sur tout ce qui est connecté à l'application ou au stabilisateur. On peut contrôler ce stabilisateur avec le gyro d'un smartphone aussi. Ça, je sais pas si c'est vraiment vraiment utile pour les ultra professionnels, c'est un peu gadget, mais bon, voilà, c'est possible. Voilà, j'ai essayé de faire un tour rapide des caractéristiques physiques, produits et fonctionnels de ce nouveau stabilisateur Crane 3S. Pour les tests et pour les images, bah comme on est en confinement, c'est compliqué. Ici, tout le littoral, les plages, les forêts, les lieux, tout est verrouillé, on peut pas du tout faire d'images. Donc je vous donne rendez-vous plus tard dans l'année pour faire des tests sur le terrain avec ce stabilisateur pour faire des images et voir à quel point ce stabilisateur est capable de supporter de grosses caméras. Et même, bah, ça serait peut-être mieux de mettre une vraie caméra de cinéma là-dessus plutôt qu'un setup un peu alourdi pour la bonne cause. Si t'as aimé cette vidéo, bah, tu n'hésites pas à la partager. T'exploses le bouton likes, abonne-toi si c'est pas déjà fait à la chaîne. Moi, tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.